Voilà. Ah. Alors, attention à vous, attention à tous. Ce chapitre contient des images explicites du suicide d'un personnage qui pourrait choquer certains joueurs. Il s'adresse aux joueurs avertis. Vous avez la possibilité de passer entièrement à la scène en question et un choix ayant une issue positive sera fait à votre place. Si un joueur choisit de passer cette scène, elle ne sera pas jouée. Oh. Souhaitez-vous jouer cette scène? Je pense pas que les gens sur Twitch l'aient passée. Hein. Au pire, j'enlèverai l'ardif. Hein. Après, ça reste dans le domaine du jeu vidéo, alors théoriquement, il n'y a pas à être cancel. Oui, je pense que tout le monde l'a passé. Enfin, c'est surtout par rapport à la sensibilité des gens et tout. Parce que bannir ça, ça veut dire que tous les jeux qui ont pour thématique la guerre ou autre devraient être bannis. Tu sais, comment il s'appelle le petit jeu Soldat. La carte des survivants. This War of Mine. Voilà. Ça devrait être banni. Ouais. Alors par contre, je fais donc le petit disclaimer. Je l'ai lu, mais je le répète. Si vous êtes en leur coup autre, faites attention si c'est un truc sensible pour vous. Et pareil sur YouTube. Faites attention. Je vous le dis. Alors, je vous préviens. J'essaierai de mettre un... Vérifier dans les... Comment on appelle ça là? Les commentaires, les notes de la vidéo YouTube. Si j'ai mis un timecode pour la scène. Pour sauter la scène. Voilà. Pour vous dire, bon, là, il y a la scène. Là, vous pouvez la revenir. Si j'ai pas mis de timecode, faites attention. Voilà. Mais j'essaierai de mettre un timecode. Lors du montage, tu peux pas mettre une... comment? Un mot? Un truc comme ça? Je préfère plutôt laisser le truc normalement. Non, mais tu sais, je veux dire, juste avant que la scène potentielle arrive, parce que du coup, on voit qu'il y a la possibilité que cette scène n'arrive pas, suivant les choix qu'on fait. Si jamais on en arrive là, tu sais, juste avant que la scène démarre, en mode, on peut skip. Tu sais, mettre, si vous voulez skip, appuyez là. Ah non, j'ai pas de si vous voulez skip, appuyez là. Par contre, la seule chose que je peux faire... c'est mettre un écran noir avec attention, trigger warning, nanan, avancer à telle minute. Oui, parce oui, que je dans saurais... ce sens-là. Ah d'accord, oui, je peux mettre ça, oui. Parce que du coup, si dans la description, tu mets skip à ce moment-là, si tu veux louper la scène, oui, mais c'est à quel moment tu sais que tu peux la sauter? Ouais. Écoutez, je mettrai un petit... J'essaierai de mettre un disclaimer. À la fois dans la description et aussi dans le... Dans le montage, mettre un petit disclaimer et vous dire clairement, en gros, en blanc, sur fond noir, avancer à telle minute, passer cette scène. Voilà. Donc du coup, normalement, c'est OK. Donc let's go. C'est OK, hein. Attention. Oui, je me suis fait mes petites notes, donc c'est bon. Vu que je fais le montage dans très peu de temps, ça devrait aller. Let's go. Allez, emmenez le corps. En fait, le shérif, c'est un connard, mais autant que les autres. Hein. Tyler. Personne n'est... Il est parti. N'est tout blanc. Hein. C'est fini. Et de toute façon, on va peut-être même apprendre un truc sur le père, hein. Tais-toi. C'est vrai. Pour le moment, c'est... Faut essayer de sauver Jay. Ouais, c'est ça. Il nous a aidés, on peut lui rendre l'appareil. Zoé les a vus tuer Dale. Elle était là. Dans une voiture de police. Elle est en sécurité, hein. Quelqu'un s'occupe d'elle. Oh putain. Je oh non, même pas elle est pas en sécurité. Personnellement. Oh, parce qu'elle est avec le shérif. Bah oui. Va bien. Mon Dieu. Merde. Qu'est-ce que je vais dire à Ash, moi? On aurait dû envoyer le vieux. Ouais, je pense qu'on aurait dû envoyer le père. Bientôt, on va le dire bientôt, parce que... Bah, casse pas les couilles. Faut l'occuper un peu, Jean-Michel Shérif.
Il va nous menacer, là, sérieusement ? Oui, oui, il va menacer avec la gamine. Oh là là ! D'accord, ok. En fait, il a plus dit « Je vais faire en sorte que ça continue. Hey. » C'est, je trouve qu'en anglais, c'est plus menaçant qu'en français. Tu savais ce qu'elle est arrivée, hein ? Je savais pas, on va mytho. Non, mytho. Non, pardon. Non, bien sûr que non. On est pas mon petit frère. On n'est pas policier, Jean-Michel, toi ? J'étais là le jour où il est né. Au moins, il est parti en se battant. Mais Joyce, tu l'as exécuté. Tu veux savoir la vérité ? La vie, c'est une guerre. On est là pour crever. Pas sûr ? On choisit pas notre heure. Ouais, mais on peut essayer de pas faire des choix de merde non plus, quoi. Oh putain, mais il l'a pas vu. Non. Baissez ce truc tout de suite. Madame, la police est en cours d'intervention. Oh. C'est qui celle-ci, là ? FBI. Shérif, est-ce qu'on doit l'arrêter ? Sharon, t'as pas le droit de... Qu'est-ce que t'essaies de faire, au juste ? C'est mort. Oula. Oh, putain. Les emmerdes. Ah bah, la mère, elle va être vénère, ouais. Oh, puis donc, la mère, je quoi. T'en prie. Il y a mes fils à l'intérieur. Et ils sont venus chez moi sans que tu sois au courant. Il en manque un. En plus, tu tombes assez mal. La soirée a été plutôt compliquée. Elle va péter un câble. Si tu veux qu'ils sortent, laisse-moi entrer. Centrale. Attendez, se passe quelque chose. Pardon, excusez-moi. Shérif ? Je crois que c'est le genre de nana qu'il faut pas emmerder. Ouais. Et merde. Mais bon, elle maîtrise pas de ouf ses fils non plus, quoi. Elle va rentrer, elle va casser ses deux gamins. Allez, dépêchez-vous d'ouvrir avant qu'ils changent d'avis. Bon, qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi il se cache la tête ? Pour éviter de voir qu'il... Il connaît... Il la connaît. Et Dale ? Oui. On aurait dû faire évacuer le vieux. Je suis désolé, mort. Ça va tourner au vinaigre. Je t'avais dit de veiller sur lui. Oh là là, on n'est pas bien là. C'est pour ça que l'autre, il a dit qu'il connaissait le vieux. Il est venu ici. Sharon, je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était Romero. On voulait un hélico, il a insisté pour négocier dehors. Et il y avait un sniper. Quoi ? Il l'a fait sortir pour l'abattre comme... comme un animal ? Vous avez quelque chose à dire ? Non. Rachel Marceau ? Vous pensez que Dale l'a bien cherché, hein ? J'ai rien dit, en fait, Sista. C'est bon, quoi. Non, mais personne ne mérite de mourir. Oui, puis attends, nous, on n'a rien fait, quoi. On n'a rien dit. Il nous agresse, là. Personne ne mérite de mourir. Pas comme ça. Votre nom ? Vince. C'est un père de famille. Il sait pas se tenir tranquille. Jamais il la boucle. Et il était là quand ils ont abattu Dale. Il dit qu'il savait rien, mais... Un père de famille, hein ? Je vois. Tu penses peut-être que mes garçons sont des monstres, mais on a tant perdu. Et Dale ? Je refuse de perdre un autre enfant. Alors tu m'aides à protéger ma famille. Et moi, je t'aide à sauver la tienne. Ok. C'est d'accord ? Ah merde, ah merde. Bah les couilles. Le flic, c'est un connard, bah les couilles. J'ai plus peur d'elle aussi, hein, quand même. Alors voilà, le shérif, il m'a donné quelque chose. Un genre de beeper. Attends, quoi ? Il veut un carnet que vous avez volé, apparemment. Et si je le récupère pas... Tu roules pour les flics ? Mais frère, je te dis la vérité, tu saoules. On se calme. Tyler Douglas Holt. Oula. Tu le lâches tout. Ça, ça pue, hein. Les trois prénoms, là. Ça, ça veut dire tu fais un truc de plus, je t'éclate. Dante essaie de se servir de toi, mais tu te retournes contre lui.
Pourquoi ? Est-ce que je suis une petite pute ? Est-ce qu'on se retourne beaucoup quand même, hein ? Je trouve bah, bien. Ma famille. Ouais. Je m'en fiche de votre cambriolage. Tout ce qui compte à mes yeux, c'est ma famille. Alors ça nous fait un point commun. Tyler, faut qu'on parle en privé. Cet imbécile de Dante croit que je l'aide. Jay, poussin, t'en fais pas. On va te sortir de là. Ah, le pauvre, lui, il est tout mimi. C'est ça. Non, on a envie de lui faire un câlin, quoi. Bon, c'est quoi, Topo ? Tu veux les aider ? Pour l'instant, Dante croit que je suis là pour faire ce par Vin Diesel. Il va pas tarder à percuter. C'est parti en couille, moi. Je choisis le monde normal. C'est comme je te l'ai dit au téléphone. On voulait faire profiter. Ouais, la famille, la famille. On est marre de tourner en rond. Mais au lieu il fallait bien choisir un camp. La moitié du comté qui a débarqué. Le shérif a failli me faire tuer tout à l'heure. C'est quoi le plan B ? Tout ça parce que j'étais dans tu le passage. Tu m'as dit que Dante a parlé d'un moi, hélicoptère. Les autres ont intérêt à nous garder en vie. Oh, je suis avec toi. C'est moi qui fais gaffe. Elle est trop futée pour son propre bien, celle-là. Tu crois que ça va aller pour Zoé ? Après tout ce qu'elle a vu. Oh, un petit psy, puis t'inquiète. J'ai pas envie de dire on parce que je l'aime pas. Je veux plus m'associer à elle. Elle a du cran pour son âge, cette petite. Je crois qu'elle tient de toi. Après ce mais que non j'ai vu ce soir, pardon. Je crois qu'elle tient de nous deux. Arrêtez de lui faire des compliments à elle. Dante, c'est Sharon. Écoute-moi, nom d'un chien. Laisse tomber l'hélico. Ce qu'on veut, c'est un bus. Avec assez de place pour nous et les otages. Wow. Aussi on part c'est en vacances, super. Ouais, je sais. C'est ma faute si tu gobes n'importe quoi. Stop, tais-toi et écoute-moi. Si ça dure jusqu'au matin, la police d'État va se pointer, ou peut-être le FBI. Et on sait tous les deux que t'as aucune envie de les voir débarquer sur ton territoire. Ah, ce sera pas un problème. Rappelle-moi quand c'est bon. Putain, c'est ça le bouquin. Hey, t'as quoi dans la poche ? Oh putain, ouais. C'est... juste un livre. Et ça se trouve non ? Sur les oiseaux. C'est le livre de contes ? Oh mais oui ! Ah, on dirait un rangement secret. Poussin, où t'as trouvé ça ? C'était au shérif. Je pensais que... Il y avait forcément quelque chose à l'intérieur. Tu l'as pas fait tomber quelque part ? J'en sais rien. J'ai pas regardé depuis qu'on est arrivé au motel. C'est la femme du shérif qui l'a pris. Il y a une voiture derrière. Mais Romero a un sniper en hauteur. On peut pas y aller. Lui ici. Mais... Tu roules pour nous maintenant, Vince. Jay, tu y vas aussi. Je suis pas Snake, hein. S'il tente quoi que ce soit, fais le nécessaire. Ouais. Une semaine plus tôt. Ah, intéressant. Let's go la musique. Mais le pire, c'est qu'ils sont... Tu sais, ils travaillent et tout, ça fait des trucs. C'est dommage de tourner comme ça, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça qu'il doit avoir un truc avec le shérif. Ah, enfin ! Hier, chasseur est de retour. J'ai pris des lapins. C'est cool. Moi, j'ai promis à maman qu'on finirait le toit avant la prochaine grosse tempête. Tiens. Rends-toi utile. On en a remplacé la plupart. Mais j'ai besoin que tu m'en coupes d'autres. Tu vas y arriver ? Je l'ai déjà fait. C'est du pain. C'est pas du racier. Ah, j'ai coupé enfin, du bois, ok ? Tu t'y prends pas comme un manche. Ok. Attention à super l'amour fraternel. Hein. Oh, trollé par la dernière QTE. J'avoue, quand tu sais faire ça, c'est trop bien, quoi. Hé, hey, Frangin, c'est quel genre de bois, ta poutre, là ?
Celle de Bamako. Oh là là. Il a dit fait que c'était du pain, que c'était pas dur. Il a fait une blague de merde, non? C'est pas du bois dur? Alors... Donc ta poutre est molle, c'est ça? Voilà, c'est ouais. Super drôle. Je pense. T'entends ça, Tyler? Sa poutre, elle est molle. Oui. Quoi? Elle est molle, sa poutre. Oh, la tête qui fait. Je vous tuerai tous. Bah ouais, hein. Donnant. Hein. Cette famille, hein. Ah, au fait, j'ai un truc pour toi. Ah ouais? Je vais le voir venir. C'est moi qui lui ai appris ça. Hey, tu veux te shooter? Mais ça va pas. Non, j'ai encore des trucs à décharger. Bah non, en fait, non. Bah pas ou quoi? Moi j'en prends pas de ça. Sniff des queues trucs comme ça, là. Non, merci. T'es sûr? Tout toi sur ton toit, hein, tu sais. Du popper, ça fait. Ouais. Bah oui, mais c'est très... Il est très con, pourquoi tu fais ça sur le toit? Lâche pas. Je croyais qu'il fallait réparer le toit, là. Bah ouais. À moins que ce soit un trip hyper rapide, tu sais, genre, ça monte, ça redescend, et puis il peut faire autre chose derrière, mais... Sinon, comme l'air sec. C'est débile, quoi. Tiens, tiens. Ah bah, c'est du joli. Je vous dérange pas, j'espère. Et qui, toi, Jean-Michel? Dis pas bonjour à son vieux père. Il est pas censé être mort. Merde. La fête est finie. Hé, hey, les gars. Vous avez dit qu'il était mort, non? Entre-temps. Fini le toit, ouais. Je suppose. Vu que je vous entends glousser comme des bonnes femmes. T'as qu'à regarder. On se débrouille très bien. Quoi? C'est toi qui as fait ça? C'est de la merde. Avouez? Oui. Non, c'était moi. Eh ben, t'es peut-être pas le couteau le plus affûté du tiroir, mais tu t'en sors mieux que tes frères. Et ah tu bosses plus vite, je parie. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Si un coup de main. J'avais des trucs à faire en ville. Et combien t'as perdu cette fois? Viens, Jay. Ça se trouve, Tyler, c'est pas tant un connard que ça. T'es pas encore trop vieux pour une roast, Tyler. Eh, fous-lui la paix un peu. Fais-moi plaisir, fiston. Viens pas t'en mêler. Après, à 3, il démonte, hein. Ouais, mais faut quand même se méfier. Quand j'étais gamin et que mon paternel ôtait sa montre, je savais que c'était oula. Pour me coller une dérouillée. Oh là là. Pas. Tiens-moi ça. Là, il sort le point américain. Hein? Oui, bah non. Je tiens mes couilles, j'ai pas envie. Je te déteste. Et là, il enlève sa montre aussi. C'est pas vrai. Pourquoi vous êtes en train de vous battre cette fois? Rien. Je félicitais juste les garçons pour ce beau boulot. Ah. Je t'ai pas entendu arriver. Pourquoi? Tu voulais me dérouler le tapis rouge? Pour que tu viennes tout salir avec tes godasses? Crois-moi, j'ai autre chose à faire que nettoyer. Super ambiance, bien sûr. Hein. Bon, quelqu'un va se décider à me dire ce qui se passe, nom d'un chien. Jay? J'ai la vérité, moi, c'est un connard. Pas trouvé que les travaux prenaient trop de temps, et ça a dégénéré. Quand est-ce que vous allez grandir à la fin? J'ai pas assez cuisiné pour 5. Alors si tu veux déjeuner, tu te débrouilles. Pas la peine. J'ai plus faim, en fait. Jay, emmène tes lapins à l'intérieur. Je les préparerai plus tard. On arrive tout de suite. Je vais nous chercher à boire.
J'ai l'impression que Jess est un peu le chouchou. Hein. Ouais. Et tu touches un jeune fille, tu te fais éclataxe. C'est ça. Après, c'est le plus petit aussi, donc... Du coup, il y aura le père. Vous êtes qui ? Wow, oula ! Bonjour, petit. Je travaille pour des connaissances professionnelles de ton père. Sa voix, elle pue. La mafia. Ça sent bon. C'est une maison bien tenue, ça se voit. Je peux vous aider. Je sais pas, ouais. C'est une propriété privée. Il faut partir, monsieur. Il serait temps d'apprendre les bonnes manières, jeune homme. Bah, dit-il. Bah, je suis écoute, là pour une affaire très urgente. Alors qu'il vient chez nous. Laisse-moi deviner. Tu m'as l'air trop jeune pour être Dale. Et Tyler est beaucoup plus grand, d'après ce qu'on m'a dit. J'en déduis que tu es Jay. J'ai une réclamation à transmettre. Une quoi ? Est-ce que ton père est là ? Ah, il vient de partir. Oui, j'ai la vérité, parce que là... Il est énervé. Il est passé, mais vous l'avez loupé. Ah, zut. C'est bien dommage. Mes employeurs sont terriblement pressés. Ils voudraient recouvrer une certaine somme. Je peux ? Non. S'il vous plaît, faut vraiment que vous partiez. Tu sais quoi ? Tu es mal élevé. Et je suis à court d'allumettes. Non, pas dans la maison. Qu'est-ce que ça peut faire ? Votre maison est bien tenue, mais même moi, je le vois bien. Une partie de poker de trop, et vous irez moisir dans une caravane. On est pauvres, c'est tout ? On n'a pas de sous, quoi ! À peine d'être méchant. C'est toujours mieux que d'être fringué comme vous. Ah, c'est vrai. J'oubliais que pour vous, le costume s'est réservé aux grandes occasions comme les procès. Tu retournes un coup de poil dans la gueule, là ? Si ton pas ne paye pas ses dettes de jeu, intérêt compris, il va avoir des ennuis d'un tout autre genre. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, c'est son problème, non ? Moi, je dis... La famille. Oh. Vous êtes en train de nous menacer là ? Tu comprends vite. Si ce n'est pas moi, d'autres viendront à ma place. Et eux ne prennent pas le temps d'en griller une. J'espère que tu saisis l'allusion. Dis donc, ta montre, elle a de la valeur, non ? Pourquoi ? Je partirai pas avant d'avoir eu un acompte. Donne-moi cette montre et je vous aurai un délai. Allez, donne-la-moi. Bas les couilles. J'en dis qu'il en est pas question. Dégagez. T'es bien comme ton père. Toujours à faire le mauvais choix. Lâchez-moi. Tiens-toi tranquille, espèce d'avorton. Et bam. Jay, j'ai oublié cette saloperie de montre. Hey. La bagarre. J'ai déjà dit à tes potes d'arrêter de me faire chier. Alors maintenant, tu dégages de chez moi et tu retournes dans le trou à ras d'où t'es sorti, salopard. Vous creusez votre propre tombe, Holt, et vous emporterez votre famille avec vous. On se reverra. C'est ça. Si je vous vois ici, toi et tes crevards de copains, je vous crame vivant. Sympa.
Il a essayé de la prendre. Non. Je t'avais dit d'en prendre soin. Et tu l'as fait. Elle est à toi. À moi ? Repousser une ordure pareille, faut des tripes. Je suis fier de toi, fiston. J'ai des grosses baloches maintenant. Merci. Ouais, enfin bon. C'était qui ? Un témoin de Jéhovah. Prends-moi pour une imbécile. Jay, c'était pourquoi ? Cette fois-ci, tu la boucles pour de bon. Écoute, maman fait plus peur que papa. Oui, c'est ça. Puis attends, on n'a pas à être au milieu, frérot. Dis la vérité à ta femme. Il dit qu'on aura des ennuis si on paye pas. Mais c'est pas vrai, Bert. Combien ? Je vais régler ça. Et comment ? En disparaissant encore ? Bert, je te parle. C'est pas ton problème, j'ai dit. Mais c'est encore moi qui vais devoir rattraper le coup. Si tout ce que tu trouves à ramener, c'est des ennuis, pourquoi tu te donnes la peine de rentrer à la maison ? C'est l'ambiance, la maison. Oui. Oh, on n'a plus rien. Il arrive encore à nous dépouiller. Ça va aller, maman. Ça va aller. Oh putain, faut qu'on soit prêt, hein. On va avoir tellement de QTE. Ouais. Ouais. À l'écart de la route. Et si on se cachait derrière la chaise longue? Même pas peur. Ça va le faire. Putain. Pourquoi il éteint pas les projecteurs ? Oh là là. Presque. On n'est pas du même gabarit, hein. C'est ça. Ah bah c'est bon. Ça va ? Je pète la forme. Dis, t'étais assis où ? Un peu partout. Vous regardez à l'avant, je cherche à l'arrière. Mais les flics, ils sont venus, ils ont même pas fouillé ici. Te voilà. Ils sont cons. Bah, trafic de fuite, hein. Le shérif ? Puis le shérif, il peut pas dire qu'il cherche ça, tu vois. Ah oui. Département de l'eau et de l'énergie, 12 000 dollars. Wow. Et 8 000 dollars pour une agence immobilière dans l'Est. Mmh. Des tournes des fonds. C'est quoi, des pots de vin ? Hé, hey. Est-ce que ça va ? J'ai rien... C'est juste... toute cette merde qui nous est tombée dessus. Vous... moi... le shérif, ma famille... Si vous saviez ce que j'ai vu depuis quelques semaines... ça me donne envie de vomir. Horrible. Tu peux pas prendre un car Greyhound, histoire de changer d'air ? Si seulement c'était si simple. Ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose, mais de vous dire que c'était pas fait pour vous ? Bien sûr. J'étais mécanicien d'aéronef avant. Je réparais des Boeing 747, des petits Cessna, tout ça. Mais quand j'étais petit, les avions, je me voyais plutôt les piloter. En fait, je voulais même devenir instructeur de vol. Qu'est-ce qui vous a retenu ? Bah la famille, encore et toujours, hein ? David. Ah bah, des bons et des mauvais côtés, hein. Je sais pas. Ah. J'ai fondé une famille et ça m'a rendu vraiment heureux. J'ai peut-être oublié ce rêve-là parce que j'en ai trouvé un autre.
Mais vu comment ça s'est fini, je me dis que j'aurais peut-être dû essayer. Et j'ai toujours eu envie d'être garde forestier. Je voulais aller là où il y a tous les geysers. Comment ça s'appelle déjà ? Yellowstone. Ouais, voilà. Enfin, après, c'est sur un énorme volcan, alors bon... De voir l'eau jaillir dans les airs. Ah, tu il peut encore être garde forestier. On va survivre à cette nuit. Et peut-être qu'on aura l'occasion de repenser à ce qu'on veut faire de notre vie. Bah ouais. Il faut qu'on y retourne. On y croit, quoi. Bon, l'autre qui soit pilote, c'est peut-être un peu trop tard, mais l'autre qui soit garde forestier, il y a moyen que ça le fasse, quoi. Vous avez été marié ? Tu oui, prends le gamin sous ton aile et t'inquiète, gamin, je t'ai payé les études. C'est ça. Je trouvais que je buvais trop. Alors elle m'a quitté. Hé, hey, ça me revient. Le bar de Sharon. Aïe, aïe, aïe. Vous seriez pas venu ici il y a quoi, 15-20 ans ? Vous aviez dit que vous étiez un commercial en déplacement, non ? Hey, oh non. Écoutez, mon vieux. Oh non. Lâchez l'affaire. Hé, hey, on l'a trouvé. Regardez-moi ce duo de choc. On dirait Thelma et Louise. J'ai pas la ref. La vache. C'est quoi tout ça ? Je crois que c'est deux braqueuses ou un truc comme ça qui s'échappent et tout. Enfin, d'accord. Des pots de vin. Ouais. Ça se trouve, le petit, c'est son frère à lui. Ou peut-être il y a un truc comme ça. Tous ces noms avec les montants à côté. Voilà, j'ai spoilé tout le monde, peut-être. Hein. Il distribue peut-être des pots de vin. Il en distribue, il en reçoit. Et à mon avis, c'est loin d'être tout. Ça fait des années qu'il est pourri jusqu'à la moelle. J'arrive pas à croire qu'il est tout noté. Les gens sont cons, hein. Je veux reparler au shérif. Je sais, je suis en plein dedans. Dante, c'est Sharon. La taupe que t'as essayé de nous envoyer t'a trahi. J'ai récupéré ton carnet noir et je vais me faire un plaisir de faxer des pages aux journalistes. Sauf si tu m'envoies ce foutu bus dans la demi-heure. Il arrive quand, le FBI ? Dans moins d'une heure. Très bien, Sharon. T'as gagné. Vous êtes sûr, chef ? On peut encore attendre. Faites-moi venir ce bus. T'aurais pas dû venir. C'est trop dangereux. Ces flics-là, ils tirent d'abord et posent des questions après. Est-ce que ça va ? N'importe Mieux quoi. Maintenant. On était tous d'accord pour prendre des risques. Je vais pas vous laisser seul. J'ai peur. Moi aussi. Le chien, il a envie de pisser. Ça devrait plus tarder. S'il nous arrive quelque chose, Vince. Bon, on va où une fois dans le bus ? À la frontière, en croisant les doigts pour qu'on n'ait pas à s'arrêter faire le plein. Ils n'ont aucun intérêt à nous faire du mal. Il faut juste qu'on tienne le coup. T'as raison. On va s'en sortir. J'ai réfléchi à l'accord qu'on m'a proposé. La clause de discrétion, l'argent en échange de mon silence. Ah oui ? Si on sort d'ici vivant, je sais ce que je veux faire. Divorcer. Voilà. Je vais J'attaque tout le monde. Je vais passer des années au tribunal. Rien à foutre. Toi, eux. Voilà. Même ma fille, rien à foutre. C'est le père, pareil. Fâché ? Je croyais que tu voulais que je passe à autre chose. Justement. C'est moi qui tenais à ce qu'on tourne la page. Je m'en fiche. Ça me fait tellement plaisir. Voilà, elle essaie de se racheter un peu aussi. Si je gagne. Je la crois pas. Je pourrais peut-être enfin m'offrir une formation de pilote. On va juste quitter le pays. On pourra pas rentrer chez nous alors ? Vince. Sois pas con. J'ai beaucoup réfléchi. Tu te rends pas compte qu'il est en retard pour rentrer chez nous ? Au sujet de Bruce. Je suis désolée, Jay. On peut plus faire demi-tour. Et de ce que j'ai fait. Et je suis vraiment désolée. Mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que c'est vraiment fini entre nous ? C'est pas la peine de ménager. On peut voir ça après ? Oui, déjà, parce que là, il y a peut-être plus urgent. Et moi, je dis oui. Voilà. Tout ? Non, non, attends. Pourquoi on peut y travailler ? Il travaille en mode on voit ça après ? Oui, mais je crois que c'est pas... Oui, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il va le dire. Il va le dire genre... on peut arriver à surmonter tout ça, tu vois ce que je veux dire ? Oh putain, casse les couilles. Bah ouais, mais c'est sûr qu'il va le dire. C'est pas le moment. Bah non, non. Comme ça, t'auras pas un copec. Putain.
Michel, j'ai pas le plan pour se remettre de ce genre de truc. Mais je serai toujours là pour toi. Ça changera pas. C'est une bonne chose, j'imagine. Je voudrais pas qu'on devienne le genre de couple qui demande des rendez-vous séparément avec les T'inquiète profs. T'inquiète pas pour ça. Ouais, bon, on pensera à la petite, mais par contre, toi, c'est fini, quoi. Toi et moi, plus jamais. Ok, tout le monde debout. Allez! Ouvrez vos oreilles. Notre seule chance de sortir d'ici ce soir, c'est ce bus. On place les otages aux fenêtres et on se met au milieu. T'es sûr de ton coup? Je vais pas te mentir. Je suis sûr de rien. Mais je sais de quoi cette famille est capable. Pourquoi est-ce que le châssis est si bas? Il y a du monde dedans. Ouais. Wow. Le bus est ouvert. Je répète, le bus est ouvert. Allez, neutralisez-le. Attention. L'autre, il a un fusil à pompe. Non, bah Jay, reste couché. Fais-toi tout petit même. Ça ? Alors, une semaine plus tôt, oui, parce que lui, il a dit j'ai été témoin de trucs de ouf, donc je pense qu'on va voir de quoi il était témoin. Un truc à propos de son père ? Certainement. Pourquoi c'est à lui qui va arriver le pire des crasses ? C'est ça. Jay, lève-toi. Hein ? Pas ? T'es blessé ? J'ai besoin que tu m'emmènes à l'hôpital. Habille-toi. Pourquoi lui, pas quelqu'un d'autre ? Tu as la confiance en lui, et seulement en lui. T'en fais pas. Je vais t'emmener, pas. Ouais, il arrête pas de se prendre la tête avec ses deux autres fils et puis sa femme. Oui. Et on a gagné sa confiance en gardant la montre. Ouais. Tu sais, je comprends pourquoi t'as cafeté à ta mère pour la dette. Mais maintenant, ça la tracasse tout ça. J'ai voulu bien faire, c'est tout. J'ai bien, mon grand. Mais parfois, un petit mensonge, ça évite de gros soucis. Tu comprendras ce que je veux dire un jour. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Elle croyait qu'elle pouvait m'aider à m'en sortir, tu sais. Tout ce qu'elle voulait, c'était un bon mari qui l'aime en retour. Personne va finir tout seul. Et surtout pas ta mère. Alors, quand une femme comme ça dit qu'elle voudrait que tu dégages... Oula. Eh ben, tu finis par te demander si elle a pas raison. Peut-être que ma famille a plus besoin de moi. C'est horrible. Ouais, fait la gueule du père quand même, quoi. Ouais, mais bon. Ouais, allez. C'est un peu du mytho. Sait ce qui va... On sait ce qui va se passer. Ouais, mais c'est un peu du mytho. C'est oui, mais bon. J'ai besoin de toi, moi. Peut-être. Mais avoir besoin de quelqu'un, c'est une chose. L'apprécier, c'en est une autre. Pas fou. Ça fait un moment que je suis plus le bienvenu. Ah oui, mais si tu faisais pas de la merde aussi, enfin bon. Compliqué quoi. Tourne ici. C'est de l'autre côté, pas... l'hôpital. On va pas à l'hôpital. Hein ? Fais ce que je te dis. Donc il va aller enterrer son père. Dis pas. Comment tu t'es blessé à l'épaule au juste ? T'es un bon gars. Je sais bien qu'il faut pas avoir de préféré, mais... Tyler ressemble trop à sa mère, et... Et Dale, il tient trop de moi. Toi, t'es différent. Je peux te parler, fiston. Je te fais confiance.
ça pue tellement. Ouais. De toute façon, il va se canner et il va lui dire enterre-moi là, ils me trouveront jamais. Dis rien à tes parents, enfin. Voilà, à ta mère. Frères. Comme ça, tu feras. Et ils croiront que j'ai disparu et ils pourront toucher l'assurance. Genre, pourquoi et ça fait des sous là. Et ça paye mes dettes. Aide-moi à sortir cette vache de la benne. Ou alors il a buté quelqu'un. Voilà, aussi. Ah, il y a un monsieur. Il y a un mec en costard. Oui, oui, ce serait pas étonnant. On soulève. Continue, allez. Pardon. Ah non. Pardon. Il est mort. Jay, je veux que tu m'écoutes. Le test était ultra dur. Aussi, non. Je l'ai pris un peu en retard aussi. Non, j'ai cliqué quasiment depuis le début. Il m'a attaqué. Ah oui, d'accord. Alors je l'ai tapé aussi. Ah, c'était peut-être obligé. Il s'est cogné la tête en tombant. Non, je pense que tu sais, c'est un choix très dur à faire. Ouais. J'ai paniqué. Bah, il a eu ce qu'il méritait. C'est pas ta faute. Exactement. Qui se couche avec les chiens se lève avec des puces, comme disait mon père. Super. Que ton père est un exemple. Ouais, c'est ça. Un beau proverbe, hein, bien sûr. À ressortir lors des soirées, hein. Ouais. La sale connard de tout à l'heure. Montre-leur une goutte de sang et ils te bouffent tout cru. J'aurais dû lui donner la montre. C'est pas n'importe quelle montre, fiston. Je te l'ai dit. Je la tiens de mon vieux père. Et maintenant, c'est la tienne. Wow. Alors prends-en bien soin, mon grand. D'accord. Bon. Voyons s'il a du fric sur lui. Le toi-même en fait, tu peux pas si le faire. Je peux faire ça, pas. Ça lui servira plus à rien. Désolé, mais je le sens vraiment pas. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Il est mort. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Creuse. S'il te plaît. Oui, allez, à la rigueur, moi je creuse. Hein. Ça. Oui. Jay, écoute-moi. Personne ne le retrouvera jamais. Si on fait rien, ses employeurs... S'il te plaît, je te demande pas ça pour moi. Pense à ta mère. Pense à tes frères. T'es le seul. Ça, c'est du chantage. Ouais. Attrape cette pelle. Tu sais, quand on vous fait des trucs comme ça, genre, pense à un tel, hein. Il serait pas content. Manipulation, hein. Est-ce qu'on a réellement le choix? Non, bah non, mais bon. Trigger warning, manipulation de ouf. Purée. C'est pas normal qu'on vous dise ça. J'ai jamais raconté cette histoire à personne. Mais quand j'avais la moitié de ton âge, j'ai eu un jeune cheval. Un poulain magnifique. Ça va être horrible ça son histoire, non ? Tous les jours. Et puis un été, il m'a jeté à terre. Il s'est mis à ruer et à mordre. J'ai eu la chance de pas y rester. Le lendemain, mon père me tend son fusil et il me dit... Mais ça va pas ? Quand un animal tourne mal, y a rien à faire à part l'achever. T'es malade. Il sent encore le whisky dans son haleine. Il tient le cheval. Il compte jusqu'à 3. J'appuie sur le piton. Mais tu es pas obligé de nous raconter ça, là. Hein. Ça ira comme ça. Je l'ai détesté pendant des années. Mais j'ai fini par comprendre qu'il avait non. raison. Fallait le faire, fiston. C'est... T'étais qu'un enfant. Tu prends ses bras, je prends les jambes. On le balance dans le trou. Horrible. Bon, faut le recouvrir avant que le jour se lève. C'est sûr que si t'arrives pas à comprendre que ton père, déjà, c'était pas bon... Et là, il ouvre les yeux, tu sais. Je crois que moi, c'est le visage que j'aurais recouvert en premier. Hein. Ouais. Pour avoir vraiment ce côté traumatisant en moins.
Oui, voilà, ouais. Bon, en tout cas... Ah bah oui. Pitié. À l'aide. Aidez-moi. S'il te plaît. Enterre-le. Fais-le, Jay. Non. Vas-y, Jay. Enterre-le. Mais il est malade, lui, en fait. On est obligé d'être d'accord. Oh non. Ouais, mais si on supplie, il va nous dire fais-le. Alors que si on... Enfin, c'est pas clair, supplier. Moi, je continue de supplier. Encore et encore. Je veux refuser, moi. Arrête. Tu sais que je vais perdre, en plus. Bah, on peut le sauver. Bah, s'il te plaît. On peut plus rien pour lui. Autant l'achever comme mon canasson. Bon, tu m'aides ou pas? Non. Voilà, non. Voilà, on refuse. Pas, il faut qu'on l'aide. Je vais le faire, laisse tomber. Oh merde, Jay. Ah, lui, il sait, il est mort. Et puis alors, ils vont le tuer salement, je pense. Tu m'étonnes. Il avait un fusil. D'en avoir besoin. Je crois qu'il avait un fusil dans les mains. J'étais où là? C'est le mec énervé. Non. C'est 7h du mat. Allez, prends une binouse. C'est ça? Plutôt trop tard, tu veux dire. Ouais, ça me dit rien. Eh ben, moi si. Surtout après cette nuit. C'est un peu toi qui a provoqué les choses, non? La montre de ton grand-père. C'est ça. Cette montre, elle donne l'heure au Holt depuis la Grande Dépression, quand même. Hein? Garde-la précieusement. Dis, ce qui s'est passé cette nuit, ça m'a secoué, moi aussi. C'est quand la Grande Dépression aux États-Unis? Les années 50? Peut-être, ouais. Je comprendrais que tu m'en veilles. Je sais que je suis dur avec toi, des fois. Peut-être que je suis qu'un bon à rien. Mais j'ai fait beaucoup de sacrifices, Jay. J'ai fait la guerre. J'ai réglé son compte au type qu'on a enterré ce soir. La famille, ça demande des sacrifices. Même pour un vieil ivrogne. Arrête toi avec ça, là. Tu peux te faire aider, vas-y, tout le... Bah te faire interner. Il y a des endroits où tu peux te faire aider, tu sais. Bah ouais, mais va mal, les réunions. Tu peux te soigner. Personne n'a de les vieux clébards dans mon genre. On les pique, c'est tout. T'as sauvé la vie d'un homme ce soir. Ça veut dire que tu vaux mieux que moi. Mais ça change rien. C'est ma peau qu'ils veulent. On n'est pas obligé de faire ça. On peut aller voir la police. Pour leur dire quoi? C'est la police, du coup. Ça? Ces gars-là, ils s'en moquent de la loi. Ah. Tout ça, c'est de ma faute. Alors, c'est à moi d'arranger les choses. Bon, allez. Va te coucher. Je vais réparer le toit que vous avez foiré, toi et tes frères. Quoi? Il allait se pendre, non? Oh putain, oui.
Sharon. T'as pas toujours eu raison. Mais tu t'étais pas trompé sur moi. Il va se tirer un coup de fusil. Fais marcher l'assurance. Elle comblera la dette. Pardon pour tout. Mais quand tu te suicides, ça marche pas normalement. Pas ! Pas ! Laisse-moi faire. S'il te plaît. Non, il va se pendre. Pourquoi choisir ça alors que t'as des fusils ? Bah décrocher, oui. Enfin là, on n'est pas bien là. L'assurance ne marchera pas. Non, 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 meurs pas, meurs pas. T'aurais dû me laisser. Mais t'es mon père. Je veux pas te perdre. Je suis pas ton père. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Ok. Oui, mais pas ce petit ton, quoi. Enfin. Pour ça qu'il a dit qu'il a vu des trucs horribles. Je vous laisse 2 semaines. Mais la dette reste valable. Et si on paie pas ? La prochaine fois que vous nous verrez, moi et mes copains, on vous fera creuser vos propres tombes. D'accord. C'est pour ça qu'on a volé l'argent. Exactement, ouais. Ah, bon sang, mère, t'aurais pu m'en parler. Ils lui ont mis des tubes et des tuyaux partout. Il risque pas de dire grand-chose. Pour l'instant, t'aurais dû le laisser. 2 semaines ? Même en 2 ans, on aurait du mal à trouver autant de fric. Elle est ancienne. Elle a de la valeur, je crois. Vieux machin. C'est du toc, crois-moi. Il a même pas réussi à la refourguer. Vous voulez mon avis ? On n'a qu'à braquer la banque. Pourquoi pas ? Si on s'y prend bien. Hé, hey, pas si vite. Personne n'ira braquer la banque. C'est trop risqué. Par contre, j'ai peut-être une autre idée. Putain, c'est elle qui a l'idée, quoi. Ok. Quelqu'un peut me couvrir ! Attention ! On a quand même évité le pire. Oui. On voit que vu les frais d'hosto... Ouais, mais alors, le gamin, il aurait vu son père crever devant lui. Oui. Je pense qu'il se serait tiré une balle là. Hein. C'est surtout qu'on aurait, choisi délibérément de ne pas l'aider, c'est ça le pire. Oui. Parce qu'il est déjà traumatisé, mais tiens, tu as rajouté un truc au-dessus quoi. Faut qu'on atteigne la voiture. Michel ! Jim ! Mais laisse-lui. Par ici ! Vite, on a besoin d'aide. Oui, Michel, j'arrive, tout va bien. Ouais. C'est que ta jambe. Ça dépend s'il s'est pris une balle ou. Oui, mais peu importe. Enfin, oui, tu peux mourir d'un truc à la jambe, mais c'est une jambe, c'est pas grave. C'est pas dans le bide. Putain, c'est le vieux qui prend tous les coups. Comme ça, vous pourrez nous écoute, descendre, c'est ça. Quel pauvre. Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe ? Et Michel ? Là-bas. Pardon. Non, je suis désolée. Ah non, oui, c'est triste. Ah oui, oui, bah oui, il faut qu'elle survive, oui, absolument, bien sûr. Bah après, elle mérite pas de crever comme ça non plus. Non, bah non, c'est pas une raison. C'est pas parce que bon. C'est pas parce qu'elle nous a trompés qu'elle doit mourir comme ça. Soyons raisonnables. C'est de plus en plus dur, hein. Oui. Seigneur, pourvu que ça marche. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà, là, il va falloir se préparer, là. Compliqué, hein. Voilà, se préparer au délire, là. Au méga clic. Ou pas, en fait. Ça va. Tout le monde va bien ? Ça
là-bas. T'arrêtes pas. Ouais, là tu dis heureusement que la gamine est à l'abri. Ouais, tu vois, d'autre côté, ouais, clairement. On n'est pas tiré d'affaire. Parce que sinon, c'est entre la gamine et le vieux et c'est compliqué, quoi. Par là, la fenêtre. Et la mère, tu vois. C'est ça. Allez, ouvre-toi. Restez pas là-dedans. Vite. Tout va cramer. Sans déconner, frérot. On n'avait pas remarqué. Nous, on pensait juste qu'il y avait un barbecue géant. Vince, attends. Si je m'en sors pas. Non, mais on s'en fout. On s'en fout, là. Attrape mes mains. Arrêtez vos confessions de merde. Balaye. Arrêtez vos confessions. L'autre, il saute de quoi? De 2 mètres. Et nous, on va. À tous les coups, on va être Keblo encore dedans. Je te connais. Ou alors, on se déglingue la cheville, quoi. J'adore tes blagues débiles. Je t'ai déjà dit à quel point. T'avais qu'à pas me tromper alors. On refait une blague. Voilà, allez, bisous. Je sais mettre une ambiance de feu. MDR. Hé, ça sent le roussi par ici. T'as vu, lui il t'aime et lui il t'aide, hein. T'as vu. C'est moi ou Ed Sheeran fait un concert. Oh non. Oh non, Sossad. N'attendez pas, éloignez-vous du bâtiment! Bon, il pourrait contourner vite fait, non? Il pourrait contourner? Qu'est-ce que tu fais? Il va s'enfermer dans la baignoire. Pourvu que ça passe. Rentre le ventre! Ouais. Ça peut être compliqué, hein. Et plouf dans la piscine! Et c'est toi qui fais le triple salto, tu sais. Tu sais, tu vois les mecs 10-10-10. On a besoin de renforts en urgence. Ok, on arrive. Terminé. Quelle nuit d'horreur. Sans mec. Pourquoi le sniper il part? Ça pue. Ouais. Oh, le toutou. Oh putain, le chien. Mais personne n'avait pensé à lui. Mais vous êtes des mais méchants. Mais le chien, lui, il s'est barré. Eh. Ouais, t'as même pas le chien, toi. Je te laisse imaginer le maximum. Shérif, ici Coburn. Vous êtes toujours derrière? Est-ce qu'il vous faut des renforts? Négatif, Coburn. J'ai les choses en main. Bonheur. Où est Sharon? Où est le carnet? Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Je te faisais confiance pour faire le bon choix. C'était pas compliqué. Comme Leslie. Et t'as choisi de les aider eux. Bisous à ceux qu'on la ref, bien sûr. Ouais, bah. Quoi, t'as pas la ref? Non. Ah, bah écoute. Sauge, si jeune, si jeune. C'est beau. Ouais. Vous êtes malade. À cause de votre puce piégée. Vous êtes censé protéger les gens. Et toi, t'étais censé suivre mes consignes. Les Holt. Ils sont insignifiants, Vince. Cette ville n'est rien sans moi. D'accord. Même mes adjoints les plus loyaux évitent de poser mais trop de questions, ouf, il a le melon un peu. Ce carnet, là, il pourrait faire tomber beaucoup de têtes. Y compris la mienne. Alors je veux savoir, est-ce que t'as fouiné? Non. Non, on ment à tout le monde, non. Écoute, c'est le moment de mentir. Je vous jure. Non mais faut pas dire j'ai pas regardé, je vous jure. Faut juste dire non. J'ai du mal à gober ça. Et si je te faisais passer un interrogatoire pour en avoir le cœur net? Bah pose pas la question alors, si tu as des doutes. Merde. C'est infernal, tout le monde veut notre peau là. Je sais pas, allez. Oh, peut-être le placard, c'était pas bon. Parce qu'il va nous voir, c'est des petites planches. Ou alors il est cool. Mais bon, la salle de bain... Vince, je veux seulement te poser quelques questions. En vrai, je sais pas... Dis-moi, qu'est-ce que t'as pu découvrir pour me faire toutes ces cachotteries, hein?
Et après, on lui plante dans la gorge, là, comme ça, là, le tire-bouchon, là. Il va tirer derrière le rideau, c'est en mode énervé. Alors, on a peut-être bien fait le placard, hein. Ouais, je pense. Enfin, j'espère. Non! Mais pourquoi il a fait ça? C'est moi? Oui. Enfin, tu t'appelles bien Jen? Je crois. Pas sûr, hein. J'ai prévu le coup. Oh non, mais non! Ah, le taser dans le bide, quoi. Rapport d'incident. J'ai tenté d'interroger le bâtard. Et coucou, maman. Très hostile et agressif. J'ai pas eu le choix. Pourquoi il serait montré hostile alors que c'est le témoin et qu'il était otage? Je t'emmerde, shérif. Et coucou à Momo, comment tu vas? Oula. Ah non! Oh putain, ça l'a piqué! Oh la tête! Ton taser, tu peux. Ah, mais je crois qu'il est mort là! Putain. Mais écoute, ça va super, Momo. Merci. Regardez qui j'ai trouvé en train de se. Et reste, l'hôtel est en feu, hein. Bien sûr, donc. Tiens, tiens. D'où tu sors, toi? Ils sont où, maman et papa? Tu veux être sûr qu'ils vont bien? C'est la fille de Vince. Les flics étaient censés la surveiller. Tu vas faire un tour en voiture? Laissez-la. Pas question. Sorry. Qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais dans la voiture. Hein, qu'est-ce que tu fous là? Maman avait laissé la porte ouverte et je voulais te retrouver. On la garde jusqu'à ce qu'on soit loin d'ici et en sécurité. Bah non, en fait. Oui, on les a aidés, quoi, en fait. Ah, on pouvait tirer en l'air. J'ai menti pour vous. J'ai peut-être tué un flic à cause de vous. Et c'est comme ça que vous me remerciez. En kidnappant ma fille. Hey, pas glop. C'est rien de personnel. Mais bien sûr que si. Ah, mais moi, je leur dis que le shérif, il est derrière. C'est notre seule chance. Avec la gamine à l'arrière de la voiture. Ah, il est mort, l'autre. Ça, c'est vraiment pas mon problème. Ah oui? Lâchez ça! Ah, mais toi, on t'aimait bien! Bien joué. Jay, rien ne t'oblige à faire ça. Vous voulez bien baisser votre arme? Je veux pas que quelqu'un soit blessé. On va baisser, hein, parce qu'il y a la petite, hein, quand même. Hein. Il y a Jay aussi. Ouais, bah oui, oui, malheureusement, on l'aime bien, quoi. Merde. Merci. Jay, puis peut-être c'est notre frère caché, alors. On va peut-être pas le traumatiser plus. J'aurais jeté le flingue dans la piscine, hein, perso. Je vous en prie. Vous êtes pas obligé de faire ça. Tu crois que ça m'amuse? Moi aussi, j'ai été une petite fille. Mais aujourd'hui, j'ai une famille. Et avec elle dans la voiture, les flics oseront pas tirer. S'il vous plaît, je veux pas partir. Attendez, il vous faut un otage. Emmenez-moi. C'est ça, ouais. Après toutes tes conneries. Oh, faut qu'on y aille. Attends. Ah, je peux pas... Je voulais faire une pause, mais c'est pas grave. On va... On va laisser la suite. Attends, je vais faire la pause juste là. Attendez, bandez-moi les yeux, mettez-moi dans le coffre si vous voulez. Je serai un otage obéissant. Mais je vous en prie. Emmenez pas ma petite fille. Et puis merde. Tyler, on l'emmène à la place de la gamine. Je te jure, si tu tentes quoi que ce soit. Ah, pas mal. Je dirai pas un mot. On a réussi à les convaincre. Tu peux y aller. Papa! Oh, ma puce. Mais la petite, elle va où? Bon, amène-toi. Maman. Elle retourne voir sa mère, je m'en fous. Je vais voir papy et maman. Ah oui, j'avais oublié qu'il était dans ma tête, la situation n'était pas résolue. J'avais oublié que... Occupe-toi bien de maman pour moi, tu veux bien? Ouais, et évite qu'elle me trompe de nouveau, s'il te plaît, merci. Ce serait cool. Hey, tu la surveilles, si hein. Jamais je reviens pas. Ne cesse jamais de défendre les gens que tu aimes. Parce qu'elle a l'air d'avoir la cuisse légère.
Donc, bon. Tiens. Tiens, pour voir dans le noir. Est-ce que je suis rancunière? Elle aime bien quand il y a du vent. Est-ce que je suis rancunière? Pas du tout. Oui, oui, elle nous a trompés, ouais. Si seulement c'était qu'une fois. Ouais, ouais. Et puis elle nous a bien manipulé. Elle essaie bien de nous manipuler aussi, hein. De retourner la situation. Le plus important, c'est on protège la gamine. Oui, voilà. Et le chien aussi, parce que le chien. La gamine, le chien, et puis bon, voilà. Papy. Ouais, papy, bon. Papy ou maman? Ouf. Voilà. Dites-moi que vous êtes les renforts. Vieux flic du FBI. Lawrence Bradley, FBI. Oh, la voix. C'est une voix connue, ça. Bordel. C'est un vrai carnage. Ouais, c'est une voix connue. On a trouvé le shérif inconscient. Tous les autres ont été pris dans l'explosion. 4 agents sont morts. Et d'autres risquent de succomber à leur brûlure. Et aucune trace des criminels. Faites décoller un hélicoptère. Ah oui, il y avait une autre voiture. Ok. Parfait. Va doucement jusqu'à ce qu'on ait passé les rails. Je te jure, si Bear nous voyait... Arrête de parler de lui. Tout ça, c'est à cause de ses conneries. Il n'a pas toujours été comme ça. C'est étonnant ce que la vie peut nous réserver. Nous regarde mal, Jean-Michel, là. Zoé, c'est la gamine. Ouais. Tout ira bien pour elle. Je sais. Jay, regarde la route. Ce que je recherche, c'est cette zone où tout s'obscurcit, où les pensées cessent et les souvenirs meurent. Vous entendez? Merde! Bien au plancher! Oh putain! Maman, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai très peur. Continue de rouler. Attention, QTE. En fait, c'est soit tu accélères, soit tu t'arrêtes. Hein. Be careful au QTE. Oh, la musique! Trop bien! C'est tu augmentes les volumes. De paix. Et puis l'instinct prend le relais. Ah. Après, tu prends quoi? Si ça marche. Il me stresse en fait. Souvenir pour tout oublier. Pas juste le motel, mais tout ce qui s'est passé après. Oh putain. Je ne vais pas beaucoup dormir ce soir, comme d'habitude. Je réessaierai demain. Go tell that long tongue liar. Oh, c'est beau. C'est beau. Cool. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Mais admettons, t'arrives à mettre un train entre toi et eux. Tu gagnes quoi? Une minute à tout péter? Ouais, je sais pas. Surtout s'il y a un hélicoptère, tu gagnes rien au final.
fin du bouquin 1. Et un cliffhanger, mais sublime. Franchement, je pensais pas que le jeu me plairait autant. Je sais pas pour toi. J'aime beaucoup. Je pensais pas que j'arriverais à stresser autant et à être autant impliqué. En vrai. Donc, franchement, chapeau. Alors, je retrouve l'implication que j'ai pu avoir quand j'ai fait Heavy Rain la première fois. Ouais. Ce truc de « je veux savoir ce qu'il y a ». Ça, le petit détail qui te manque et qui fait « pourquoi ?» Ou même Until Dawn. Je retrouve ce truc de « qu'est-ce qui se passe après ?» Tu vois, et t'as envie de continuer, et puis t'as un retournement, tu dis « waouh !» C'est ça. Non, et franchement, le jeu est trop trop bien. Trop trop bon moment. Ouais, c'est la petite musique. Hein. De toute façon, là, on a fini le livre 1. Donc, il y avait 3 chapitres. Et du coup, la semaine prochaine, on attaquera le livre 2 où il y a 3 autres chapitres. Et ce sont les 3 derniers chapitres, du coup. Donc voilà, mais très 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 très, très cool. C'est des productions comme ça que j'aimerais voir plus souvent. Oui, grave. Parce que c'est pas un problème qu'il n'y ait pas beaucoup de gameplay, mais par contre, non. Au moins qu'il y ait une histoire, qu'il y ait quelque chose de... Et même si c'était court, admettons, tu finis le jeu en 4 heures. Tu sais, on aurait eu début la conclusion là en 4 heures et demie. En soi, ça me dérange pas si le scénario qu'on met est intense et qu'il y a quelque chose. C'est ça. Comment ça, la semaine prochaine, on joue là ? Alors, franchement, j'aurais le peps, hein. Je pense qu'on aurait le peps, on l'aurait tellement continué. Ouais. Mais si la suite est aussi longue, faut tenir. Ouais, ouais. Oui, sympa qu'ils aient tout doublé. Et ouais, le doublage est très très bon. Ça, c'est cool. Mais apparemment, j'ai vu, même dans les options, ils ont fait beaucoup d'efforts d'accessibilité et tout. Vraiment oui, oui. Pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et je trouve ça très très cool. Ouais, le doublage est ultra quali. Ouais. Franchement, j'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner aussi. Y aura peut-être les VO françaises. Parce que là, VO artiste. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner le présent finalement. Bon, même si on aura peut-être des flashbacks, mais on va peut-être plus être centré sur sur Zoé qui a grandi. Ouais. Donc, parce que pour moi, oui, ils s'en sont sortis. Oui, je pense. Ils n'ont pas été percutés par la voiture. Par le train, pardon. C'est ça. Mais ce qui va être intéressant, c'est là de voir, vu qu'ils disent que c'est une histoire familiale, enfin, tu sais, un drame sur 30 ans, un truc comme ça. Oui, pour moi, tu sais, le shérif a fait plonger la famille en disant que le père était complice et tout. Ouais, peut-être. En plus, ça a été doublé dans beaucoup de langues. Hein. Ah. Est-ce que, pardon, mais doublage coréen, je veux dire, c'est audio, rare. Audio, c'est... Japonais, si coréen et chinois, c'est très rare, les doublages vocaux. C'est ça, à part si c'est eux qu'on fait le jeu, mexicain même. À part si c'est eux qu'on fait le jeu... Oui, parce qu'il y a espagnol et mexicain. C'est bien, en plus, on fait une distinction. Ouais, parce que généralement, ils s'emmerdent pas. Oh non... Espagnol, allez, c'est pour tout le monde, hein. Allez, doublage japonais. Bien. Et puis, je suis sûr que c'est des noms connus. Je pense. Ah bah, quand Microsoft te met des sous derrière, hein. Rien que la voix française, comme j'ai dit, du mec du FBI, elle est connue. Ah, Aurélie Konaté, c'est pas la meuf de la Starac ? Ça me dit un truc, ça. Ah merde, j'ai pas pu regarder le mec du FBI. Oui. Attendez, je vais regarder. Si, je crois que c'est elle. Ça me dit un truc. Ok. Bon, je connaissais personne, mais... Putain, doublé en chinois simple et chinois traduit. Ouais, mais si, ils ont dit, allez, on balance les millions dedans, let's go. Si c'est ça, Aurélie Konaté, c'est une chanteuse... entre autres, bon maintenant je pense qu'elle est actrice et tout, qui a fait la Star Academy. D'accord. Mais qui maintenant joue dans des... Un petit peu à la Laurie, tu sais, qui joue maintenant plus dans des séries et tout. Nous, on vous laisse le générique parce que c'est tellement beau, c'est tellement cool que honnêtement... On profite.
Surtout voir les noms, quoi. Il y a Josette. Josette avec un Z. Comme quoi on peut se rattraper. Il y en a qui ont eu des belles carrières, quand même, franchement. Mais après, je pense que c'est plus les débuts de la télé-réalité où les gens... en plus, bah, je trouve peut-être plus sérieux. Possibilité était plus, bah, avait plus de talent aussi. Enfin, je veux dire, bah, la Starac déjà. T'avais ce côté rare aussi. Voilà, c'est ça. Maintenant, des télé-réalités, t'en as 10 par an. Ça, dans un sens, ça perd de sa valeur. C'est à qui deviendra le nouvel influenceur. Bah, alors c'est surtout ça qu'avant. T'avais pas cette question de devenir influenceur. Voilà. Et t'avais pas le truc de te faire remarquer forcément, etc. Il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient un peu plus vraies et brutes qu'aujourd'hui, quoi. Donc... Mais ouais, non, faudra voir s'il travaille sur un autre jeu, le studio. J'ai rien vu marqué sur leur site. Ah mince. Arrête d'être que c'est après, ça. Après, ça se trouve, ils ont des projets mais qu'ils n'ont pas encore dévoilés. C'est ça. Peut-être secret aussi, mais. Non, puis après, d'avoir. Pour regarder généralement si un studio recrute, c'est qu'il tape sur quelque chose. C'est ça. Non, puis d'avoir. Oui, d'avoir mis de l'accessibilité, de pouvoir. Enfin, d'avoir fait en sorte que les gens puissent rejoindre avec leur téléphone, etc. Enfin, je trouve ça génial. Qu'il soit traduit en énormément de langues. Meilleur truc. Après, je serais curieuse de voir les stats. Tu sais, est-ce que beaucoup de gens ont téléchargé le jeu, ont joué au jeu et tout, tu sais. Ah, oui, bah oui, elle, c'est sûr qu'elle doit être... Elle doit être... Tenue ils sont obligatoirement sous NDA, quoi. Heureusement. Ah, comme tous ceux qui font les voix et tout, ils sont sous NDA pendant très longtemps. Hein. Jennifer dans le générique. Ouais. Ouais, quand même, ils ont eu bien les moyens pour faire la localisation, quand même. M'étonne. Pour le coup. Ah oui, mais ça reste quand même... Ah non, mais c'est super bien. Et c'est là où tu vois ce qu'il faut comme... Ça reste quand même Microsoft qui met des sous dedans. Phil Spencer. Ouais, Rollins tout Phil. Phil, t'es une petite. Ouais, hein, quand même. Ça le prie un peu, mais bon. Fais des trucs bien des fois, quand même. On va pas te. Quand tu veux. Oh, il y a même la musique. On va pas te jeter la pierre non plus à chaque fois. C'est sûr. Partie. Ah, je crois qu'il y avait écrit partie pooping. Je lui dis, tiens, sympa. Une petite fête pour poser c'est une trotte. C'est l'instant caca. Bien sûr. Oh, encore une Jennifer, merci. Voilà. Mais ça veut dire que t'as une des fins là de la première partie où c'est la gamine qui se fait enlever. Bah, c'est possible. C'est horrible, en fait. C'est ça. Ah, quand même. Ah bah oui, quand même, les petits résumés. Rôle de l'équipe, d'ancrage, d'exploration, prends soin de repérer rapidement les points d'intérêt. Toujours analyste, hein, moi je prends mon temps, hein, voilà. On est toujours en accord dans nos choix. Il doit y avoir le suivant. Alors, on a de l'honneur, on privilégie l'intégrité et les choix honorables. Les traits, tu... On est espiègle, fais preuve d'humour en toute situation. C'est parce qu'on a dit 2-3 blagues. C'est ça. T'as vu une seule qui se retourne, qui met son nain de clown. Hey, hey. Mais tellement, attends, montre. C'est vers la fin, ça. Pris en otage, à tenter de convaincre. Ah, tu peux ne pas affronter, ok. Mais t'en arrives. Ah non, tu peux en arriver là. Ouais, pas beaucoup. Il parlait du Beeper. Acharan nous a amené à l'attaque par Dante, mais on aurait pu ne pas voir l'attaque. Ah, sauver Michel seul, parce qu'on peut se faire aider pour sauver Michel.
Ce qui, mais il précise seul. Et c'est ça, après on attache par Holt, ça veut dire que l'autre choix c'était la gamine. Ouais. Ouais. Pas mal. Non, mais il y a énormément de choix. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Ah, il y a quand même beaucoup de gens qui ont sauvé Beer. Mais en le sauvant. Bah, alors. Matt... Oui, mais c'est le bon choix. Il y en a peut-être beaucoup aussi qui ont fait en mode je skip la scène pour pas. Attends, c'est ouf parce que tu le sauves, mais t'as deux conséquences. Bah oui, est-ce qu'on aurait pu quand même sauver Beer, mais tuer l'autre ou essayer de le tuer? Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Tu sais, ça se trouve en le faisant ses poches, il se serait réveillé ou une connerie comme ça. Ouais, c'est possible. On peut pas voir les jeux du studio. Ah ouais, d'accord. Ah oui, super. Oui. Bon, à voir. Oui. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Du coup, c'était très très cool. Donc, comme dit, on vous retrouve mercredi prochain à la même heure, 14h, pour la suite et la fin des aventures, de nos aventures dans As Dusk Falls.